Le tunnelier arrive directement d'Allemagne où il a été préfabriqué, assemblé et testé en usine. Les éléments du bouclier sont eux préparés en surface, nettoyés, descendus un à un dans le puits. La roue de coupe est ensuite descendue, assemblée sur le bouclier frontal. La jupe descendue dans le fond de puits. Nous avons procédé à un ripage de l'ensemble des éléments sur une cinquantaine de mètres. On peut commencer en surface l'assemblage des remorques. Quatre remorques composent le tunnelier. Une fois assemblées, on les descend dans le puits. Nous venons de terminer la connexion des fluides et le câblage des éléments électriques et nous commençons une phase de test et de mise en service des différents systèmes. Il aura fallu 3 mois aux équipes de mécaniciens et électriciens pour monter l'intégralité de la machine en 3 postes, 24 heures sur 24, 5 jours sur 7.